Salut à tous les amis, c'est Rob 46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Asphalt 8. Alors j'ai record avant, c'est pour ça que j'étais dans le menu des courses. C'est tout simplement que j'ai record avant et que ben j'avais oublié de paramétrer mes touches. Et voilà, ça a tout niqué. Donc je disais tout à l'heure que j'ai acheté des voitures. Alors j'ai pas acheté, bon, la dernière fois on avait la Dodge Dart. Et l'Audi e-tron, la R8 e-tron, qu'on va se tester dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai acheté cette Camaro parce qu'elle est très très forte. Et moi, je kiffe. Voilà. Et après, donc, j'ai eu la Morgane Aero GT du défi d'Halloween. Donc, vous pouvez avoir aussi maintenant. Hein. Faut se dépêcher parce qu'il reste plus que 2 jours. La Corvette ZR1 que j'avais eu pendant les vacances de la Toussaint, la première semaine je crois des vacances de la Toussaint. Et puis encore avant, il y avait cette magnifique Bugatti Chiron qui était là pour les 20 ans du jeu. Non, les 20 ans de Gameloft, c'est plutôt ça. Donc les éditeurs du jeu qui ont 20 ans maintenant. Donc ça a commencé en 2000. Eh ben, joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ici, est-ce que j'ai récupéré mes kits pro? Ben oui, je l'ai fait tout à l'heure. Logique. Je voulais voir d'abord ça. Tâche quotidienne. Alors, on va revenir sur tâche quotidienne. Donc, on va faire 5000 crédits. Et, ok. Ok, il y a d'autres trucs, voilà. Bon, alors je vous explique vite fait. J'étais parti sur une course, j'avais pas paramétré mes touches. Ok. Donc dans une prochaine vidéo, on se testera l'Audi e-tron qui est ici. On fera que des courses de ça, on fera genre 3 courses de ça pour avoir un peu de gameplay. Mais aujourd'hui, on va se tester deux trucs que j'ai déjà fait. Vu que il y a une première capture que j'ai fait. Et que mon enregistreur d'écran, en fait, ça laguait. Tout simplement, ça, c'était regardable. Enfin, moi, je trouve que c'était dégueulasse pour vous, quoi, pour regarder. Alors, j'ai décidé d'utiliser le Xbox Game Bar. Donc, il y a juste à faire Windows G sur votre clavier, et puis c'est bon, vous l'avez. Et voilà, je trouve que c'est sympathique quand même. C'est bien sympathique, c'est bien utile, ce Xbox Game Bar. Et j'aime bien, comme ça on peut record tout sauf le bureau et les documents, je crois. Enfin, juste la boîte des documents ici. Enfin, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si ça record que l'écran, mais voilà. Bref. Alors, j'ai paramétré mes touches, donc normalement ça devrait marcher. Je voudrais pas refaire une autre vidéo, comme ce que j'ai fait juste avant. Et voilà, alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo, donc ça a été filmé avec mon téléphone, donc c'était un peu dégueu aussi. J'avais dit que je m'achèterais donc l'Audi RS3. J'ai changé d'avis parce que je pensais que ça serait très long d'avoir des crédits. Mais finalement, c'est que quand tu fais des courses que c'est long. Après, t'as plein d'autres trucs annexes qui te font gagner des crédits et du coup ça va assez vite. Et là, sans avoir dépensé un rond entre guillemets, enfin si j'ai dépensé 30 000 crédits pour la Camaro, mais sinon j'ai rien dépensé d'autre, je suis à 227 000, donc voilà, je devais être à 260 000 à peu près avant d'avoir la Camaro, donc c'est plutôt bien. On va juste les dégager eux, si je peux avoir les autres ce serait pas mal. Voilà, merci. Alors ça bug un peu, je sais pas. Ah ben, il y en a un que j'ai loupé. Tiens, on va passer sur le côté là. Wouhou! Les circuits sont stylés sur ce jeu. Mais ils sont un peu what the fuck quoi. Enfin, tu roules pas sur des murs. T'es pas censé rouler sur des murs. À part si t'as Camaro, c'est Transformers, mais là, voilà. Il y a des portails aussi. Où on peut. Là, je crois qu'il y en a un. Ou c'est après, je sais plus. Ah ouais. Ah ouais, aussi, c'est stylé ici. Par contre, faut pas rester là.
comme ce que je viens de faire. Voilà. Faut pas faire ce que je viens de faire. Si vous jouez, faut prendre à l'extérieur, mais la voiture, elle tombe. Enfin, c'est bizarre, la caméra. C'est trop chelou. Ah, voilà, ils sont là, les portails. Et là, il y en a un là-haut, et voilà. Et ça sert à esquiver certains trucs. Alors, je vais faire des petites vrilles. Et voilà, ça me fait respawn là-haut. Ça évite du coup de prendre le truc qu'il y a en haut. Tombe pas dans le trou, s'il te plaît. Si, on va tomber dans les trous. Par là. Voilà. Donc, c'est... Putain, j'ai cru qu'il y avait un trou. Je me suis dit, oh non. Alors, ici, on va un peu drifter. Oula, je fais quelques petites étincelles. Alors, par contre, ça bug un peu chez moi. Je sais pas sur la vidéo ce que ça va donner. Mais il y a quelques chutes de FPS. Et on a déjà fini la course. Donc, franchement, elle est quand même bien la course. Mais voilà. Ça claque. Ça claque, j'aime bien. J'aime bien la course. Mais c'est très bizarre. Donc ça va être une petite vidéo de toute façon. Là, ça va être une petite vidéo. Juste le temps de faire ça. Et puis la course après. x11 le bonus. Oh putain. x11. T'imagines par contre si tu gagnes. Bon là ils vont gagner 200. Mais il y a des fois où tu gagnes plus de 1000 crédits. x11 ça te fait 11 000 crédits d'un coup. C'est pas mal. C'est plutôt bien. Mais là, quand ils font des vidéos, c'est en fonction de ce que tu gagnes aussi. Genre, en gros, tu vas toujours gagner 3000, mais ils vont juste réduire les multiplicateurs. Ce qui fait que si tu as 200 et 1x11, si tu gagnes 200 crédits et que tu as 1x11, ben, ça va te donner autant de crédits que si tu gagnes 1000 et que tu fais 1x3, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il y a autoroute machin, là, je sais pas quoi. Place du marché. Alors j'aime bien parce qu'il met place du marché, mais ça c'est pas place du marché, hein. Je crois que c'est autoroute en mosaïque ou un truc comme ça. Voilà. Donc aussi ce que je voulais dire c'est que la prochaine vidéo, on va se tester la Cadillac parce que là ça va être le titre. Là le titre là ça va être je sais pas, mais en tout cas, va y avoir le Chevrolet Camaro dedans. Parce que moi, j'aime bien quand je fais des jeux de bagnole comme ça. Même en fait, je suis presque que des jeux de voiture sur ma chaîne. À part des jeux de voiture, j'ai fait Fly Pilot, qui était un jeu d'avion. Hide Online, Battleland, Clash Royale aussi. Et puis, un autre truc, je crois. Je sais plus. Je sais même plus, je sais même plus quelle vidéo je fais sur ma chaîne. C'est grave quand même. Mais bon, globalement, c'est sur du top drive, alors voilà. Même si top drive, maintenant, j'ai arrêté parce que ça me casse les couilles. Pardon du vocabulaire, mais bon, c'est un peu vrai, quoi. Je sais même plus ce que je voulais dire. C'est génial. Trop génial. Bah écoutez, vu que je sais plus, on va attendre le temps de chargement, hein. Au fait, ce qu'il y a bien avec ce petit PC là, c'est le lycée qui me l'a donné. Enfin, qui l'a donné à tous les gens. Parce que j'habite en Haute-Garonne, et du coup, le conseil général a décidé de nous donner des PC, et ils sont actifs, ce qui fait que là, vous voyez là, sauf que là, vous voyez là la souris qui bouge vite, et ben là c'est pas moi, c'est mon doigt. Et là je peux cliquer, je peux jouer avec mes deux doigts. Même si c'est pas ouf. Et je préfère au clavier. Par contre ça bug là aussi, c'est abusé. Oh, les chutes de FPS que je me tape. Par contre, pourquoi tu fais des. Pourquoi vous faites des vrilles sur un tonneau? Ils se sont éclatés entre eux, hein, les deux premiers. Ah, ça bug. Ça tourne d'un coup, ça fait flipper. Dans le métro. Oh, ah non, je crois c'est là où il y a les trains. Je crois que c'est là où il y a des trains. Et du coup, si ça bug, je vais me faire éclater. Trop génial. Tourne.
Ah oui, c'est là. Oh, merde. Bon, ben, au revoir. Ah, ben voilà, il y en a un qui arrive. Je sais pas où il est, mais il y en a un qui arrive. J'ai entendu le. Ah, ben voilà, il est là. Coucou. Alors, celui-là, il est à l'arrêt, mais des fois, il bombarde les trains, c'est abusé. Ah non, il est pas à l'arrêt, il va dans l'autre sens. Putain, le con. Oh, celui en face. Ah! Je suis passé. Passé just là. Je suis passé just. Je suis passé juste. Juste un bridou. Alors en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand il y a. Quand j'ai pas le nitro, ça bug pas. Hein. Bizarre. Est-ce qu'on peut les péter ça? Ah non. Est-ce qu'il y a une course où on peut péter des trucs comme ça? Yes. Et je crois que bah, c'est là. Voilà, on peut casser les trucs au milieu. Et là, on a déjà fini. Bon, bah, c'était plutôt rapide. Voilà, merci beaucoup. 11 minutes de vidéo de course. Moi, un bon ratio. On n'a pas trop avancé. Hein. Voilà. Donc, la musique, elle pète un peu les oreilles. Hein. Donc, là, je vais tourner une vidéo dans la suite. Pour la Cadillac ATS ou CTS ou un autre nom, je sais pas. En tout cas, je vais la tourner ce soir parce que là il est 18h33. Du coup, je vais la tourner là quoi. Le son, c'est pourquoi ça bug comme ça là? Oh. Alors je sais pas si vous entendez le son qui bug un peu, mais ça fait comme ça brise, enfin ça sature du moins. Donc putain, je suis déjà à 500. Ouais, je suis à 500 parce qu'en fait ils m'ont give 300 pièces. Enfin après je sais pas si c'est à tous qu'ils ont give 300 pièces. Oh non, j'aurais pu compléter ça si j'avais drift un peu plus. 200 mètres de même pas, presque 100 mètres de plus et je l'avais. Ça met du temps. Voilà, merci. Donne-moi des pièces pour avoir 200 jetons. Les jetons qui sont là-haut là. Donc ouais, je veux bien je veux bien avoir plein de jetons. Hop. Et ici. Voilà. On en est quand même loin. On en est quand même très loin. Très très loin. Donc, prochaine fois, on se fait, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire, ben, ce que je viens de dire. On va se faire du coup en mode carrière. Hop. Parce que le problème, c'est que là, je dois débloquer des trucs. Parce que, hey, là, ça a 41 étoiles et j'en ai 40. Donc il me faut automatiquement débloquer la Cadillac ATS. Ensuite, il y aura une autre course Cadillac. Alors on essaiera avec la ATS de faire cette course-là. Et puis 47, 60. What? Ah non, d'accord. 47, 49, 61. Oui, quand même, de 49 à 61, une évolution de 20 points, ça va quoi. 65 et 69. Donc tout ça, je le ferai en Camaro, je pense, toutes les courses normales. Et après. Donc là, c'est des courses bloquées avec des voitures spécifiques qui sont chères parce que là, c'est des voitures où je peux pas avoir accès. Vous voyez, ça fait le ton 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 parce qu'en fait, c'est tout simplement des voitures comment des voitures payables avec des jetons et j'en ai 137 alors que les voitures elles coûtent plus de 200. Mais par contre la Mini, l'Alfa Romeo et la Renault, elles sont payables avec des crédits. Donc c'est cool. Voilà, c'est cool. Bon, ben je vais juste là pour mettre ma belle Camaro en évidence, voilà. Pour faire l'outro. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!